Bonjour les poissons et bienvenue pour vos messages de la semaine du 7 au 13 mars. Alors, pour vous les poissons, pour cette semaine du 7 au 13 mars, votre énergie principale, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, eh ben l'ermite, c'est un peu... c'est la patience. Ermite égale vertu de la patience. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer en ce moment les poissons. Et il est vraiment temps pour vous de penser aux solutions à mettre en œuvre, à mettre en place, vous recentrer sur vous, définir peut-être vos priorités. En même temps, pour cette semaine, c'est peut-être plutôt bénéfique l'ermite pour vous les poissons, parce que je pense que ça va vous empêcher de vous précipiter et de peut-être regretter un choix. C'est possible. Dans ce tirage, il est possible que quelqu'un vous apporte soutien, vous apporte conseil, ou alors c'est vous qui vous rapprochez de vos émotions, qui sortez peut-être un peu d'un mode pilotage automatique, pardon. Un peu sortir un peu d'un mode pilotage automatique qui guide votre quotidien. Peut-être, vous allez peut-être être obligé d'agir, ou vous êtes peut-être obligé d'agir pour des choses qui vous sont chères, les poissons, en cette semaine du 7 au 13. De toute façon, il y a un changement, il y a une évolution, peut-être une nouvelle expérience, je ne sais pas, mais on sort du quotidien. Pour moi, vous sortez de votre quotidien. Peut-être, vous allez peut-être profiter de votre vie d'une façon nouvelle. C'est possible que vous souhaitiez œuvrer pour votre sécurité matérielle. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez atteindre un objectif, les poissons. Vous allez atteindre un objectif. Ça demande de la patience, encore une fois. Ne vous précipitez pas. N'allez pas faire des choses, des choix que vous pourriez regretter. Vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est évident. Patience, c'est surtout ça, les poissons. Il y a un changement, il y a une évolution, il y a une, je sais pas, une prise d'indépendance, un voyage, un déménagement, une prise de liberté. On reprend sa liberté, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment, il faut vraiment être patient cette semaine. Bien réfléchir, ne pas faire les mauvais choix. Malgré des obstacles, les poissons, vous allez déployer vraiment toute votre énergie pour atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Soit vous êtes très déterminé, ou soit il va falloir être déterminé, même si parfois ça peut vous épuiser, ça peut vous décourager. Il est vraiment primordial pour vous de rester bien concentré. Ne changez pas de cap, prenez juste votre temps. Vous allez vers la victoire. Vous y êtes presque, les poissons. Encore un peu de patience, encore un peu de temps. C'est vraiment... C'est pas, ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, ce n'est pas vraiment un accomplissement profond, si vous voulez, dans votre vie. Mais c'est quelque chose d'important. C'est un volet important. Il y a une quête de réussite dans ce tirage. Peut-être une réussite sociale, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous voulez ancrer dans la réalité. Alors, je ne sais pas ce que c'est, bien évidemment. Mais vous avez vraiment cette quête de réussite, les poissons, pour cette semaine. C'est tout à fait possible que vous vouliez prendre votre indépendance. Après, je ne sais pas, peut-être professionnellement, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous allez faire ce choix. Vous allez trancher. Vous allez trouver des solutions. Mais vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'analyse. Prenez-le vraiment, les poissons. Vous en avez vraiment besoin. On prend son temps. Quoi que ce soit, on prend son temps, les poissons. Je pense que vous allez vous compter davantage sur votre intellect plutôt que sur vos émotions. Mais vous allez trancher, vous allez trancher, prendre une décision, trancher. Certainement pour retrouver une liberté, prendre une indépendance. Je ne sais pas, partir en voyage, je ne sais pas. En tout cas, pour vous, il y a une ascension. Peut-être sociale, c'est tout à fait possible. Il y a une reconnaissance. Il faut vraiment que vous gardiez confiance. Il faut prendre progressivement confiance en vos capacités et évoluer.
Vous allez, pour moi, vous allez être fier de vous. Vous allez passer à l'action. Vous allez vous impliquer activement dans ce projet, dans ce que vous voulez faire. Je ne sais pas ce que c'est. Mais encore une fois, c'est vraiment l'énergie. Votre énergie principale, c'est l'ermite. L'ermite, c'est on prend son temps, on réfléchit et on trouve des solutions. Je vais encore tirer une carte pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons. Semaine du 7 au 13 mars pour les poissons. 7 au 13 mars pour les poissons. Oh. 7 au 13 mars pour les poissons. 7 au 13 mars pour les poissons. Allez, poissons, 7 au 13 mars. Allez, pour les poissons, mettre le jeu à l'endroit, c'est mieux. Poissons, 7 au 13 mars, poissons, poissons, poissons. Je vais prendre celle-là, pas pourquoi. Ah. Alors, cette carte, elle dit que... Le plus lourd fardeau que vous vous infligez est le poids immense que vous donnez à vos pensées. C'est le moment, les poissons, où toutes les occasions sont bonnes à saisir. Et ça va vous redonner le sourire. C'est peut-être délicat pour vous en ce moment de vous maintenir en équilibre. Vous avez peut-être un peu la tête à l'envers. Mais vous endossez peut-être beaucoup de choses, je ne sais pas, beaucoup de rôles différents. Vous gérez peut-être un maximum de choses. Mais... Il est vraiment temps de rééquilibrer tout ça, les poissons. J'ai envie d'en tirer encore une autre. J'ai envie d'en tirer encore une autre. Je ne sais pas pourquoi. Je vais en tirer encore une autre pour les poissons. Suis ton instinct. Alors, suis ton instinct. Il y a encore un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Il faut être attentif aux petits signes qui se posent sur votre chemin, les poissons. Donc, le message, c'est prenez votre temps, réfléchissez et suivez votre instinct et ne restez pas dans la rancœur, quoi qu'il en soit. Voilà les poissons, à bientôt.